Okay. Je suis Monique Lalonde. J'étais employée à l'université pendant longtemps, alors j'ai fait mon bac à temps partiel. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, alors j'ai suivi plusieurs cours de différentes façons. Alors là, je suis en train de suivre mon dernier cours. La dernière session, j'ai suivi le cours de terminologie de Jean Carillon, qui est le cours hybride, que j'ai vraiment aimé. C'était un cours obligatoire. Je l'avais déjà suivi à l'automne précédent, dans son format régulier là, de cours magistral. Et puis, j'avais trouvé ça très difficile. J'avais fini par l'abandonner. En le reprenant, en cours hybride, la deuxième session, j'étais agréablement surprise, justement, parce que le format était plus flexible. Ça me permettait d'être juste une heure en classe, et puis le restant du temps, je pouvais moi-même, comme je commence mon petit business de traduction, j'avais quand même des petites choses à faire moi-même. Et puis, j'avais le temps de lire l'information. Ensuite, j'arrivais en classe, j'étais préparée. Puis, j'aimais beaucoup que le professeur, au lieu de juste régurgiter ce qu'on a déjà lu, on mettait en pratique en classe. Puis, il était là. Moi, j'ai essayé ça durant quand j'étais chez moi, ça ne fonctionne pas. Là, le professeur était là, puis il pouvait nous dire, OK, c'était du one-on-one qui était comme vraiment intéressant à ce moment-là en classe. On n'avait pas longtemps en classe, mais c'était du temps de qualité. Hybride, je pense qu'il y a plus d'engagement. Mais en même temps, il y a plus de valorisation et puis il y a plus de... l'apprentissage fait mieux. En tout cas, pour moi, c'était vraiment le cas. Si j'avais complété le cours quand je me suis inscrite en premier au cours magistral bien ordinaire, je l'aurais échoué si je ne l'avais pas abandonné. Alors, en le refaisant comme ça, avec cette nouvelle méthode-là, puis en sachant qu'il faut que je m'organise, c'était la seule façon. Mais je pense que ça, c'est une grosse partie pour ceux qui veulent prendre un cours hybride. C'est intéressant, c'est valorisant parce que tu as beaucoup d'input, pas mal plus que dans un cours magistral. Et puis, tu as beaucoup de pratique. Mais il faut prendre le temps de le faire.